L'expérience WASP de Raccoon City. Les WASP présentes à l'université de Raccoon City étaient des guêpes infectées par le virus T. C'étaient les guêpes utilisées à l'université pour créer le poison V pour le vaccin Daily Light. Il y en avait aussi à l'hôpital abandonné Harkley. Elles grandirent bien plus que leurs homologues du manoir Harkley, qui sont des abeilles, atteignant des tailles humaines, ce qui leur donnait plus de résistance. Leur nid, par conséquent, prit une ampleur immense également. Elles attaquaient en fonçant sur leurs victimes pour les faire tomber au sol et tentaient d'attaquer avec leurs dards empoisonnés. Autour de l'hôpital Harkley, des wasps sûrement contaminés au virus T-JCCC-203 étaient présentes et comportaient les mêmes caractéristiques que celles du virus T. La présence des wasps de Raccoon City dans le canon de la saga se fait via Resident Evil Outbreak en 2003 et Resident Evil Outbreak File 2 en 2004.